Bonsoir les amis, bonsoir les Gilets jaunes, ravis de vous retrouver comme tous les soirs, bonsoir le peuple, bonsoir le peuple français, bonsoir tous les autres peuples, euh, les Tunisiens, les Algériens, les Gilets jaunes et le peuple euh, italien, espagnol, anglais, belge, allemand. Et tous les autres peuples qui se battent, que je n'aurais pas euh, nommé. Bonsoir tout le monde. Euh... Alors, euh, je vais essayer de construire cette partie 2 concernant l'actualité. J'avais plein d'autres sujets que je voulais euh, vous partager avec vous. Euh, bon, on va rester, on va coller à l'actualité, et surtout que vous avez, vous m'avez donné beaucoup d'informations, mais aussi vous avez évoqué à juste titre beaucoup de questionnements et d'interrogations auxquels je vais essayer de répondre et euh, bien entendu je ne pourrai pas répondre à toutes les euh, toutes les variantes toutes les possibilités euh, de de la cause et de, du but de L'attentat sur Notre-Dame de Paris. Alors, donc premièrement, il, est, il convient euh, de donner euh, le déroulé euh, horaire euh, exact. Comme je vous ai annoncé hier, il y a eu donc l'office des vêpres. Et alors, exactement, euh, il y a eu une première évacuation vers 18h35. 18h35, les amis. La messe a ensuite repris euh, euh, 10 minutes plus tard. Et euh, donc, l'évacuation définitive euh, à cause de l'incendie a eu lieu à 18h52. 18h52. Alors. Merci donc à un ami. Euh, J'aurais du mal à vous citer tous à chaque fois, donc euh, je suis désolé. Hein. Euh, donc, merci à un ami qui m'a envoyé euh, cette capture d'écran euh, qui reprend ce que je vous avais euh, annoncé hier et ce que je vous avais montré en vidéo en plus, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, un office. Avant, euh, avant le drame. Donc là, je ne sais pas si ça va être bien visible. Regardez cette capture de Google. Notre ami, votre ami Google. Euh, donc on voit, euh, c'était hier, 15 avril 2019. Euh, donc euh, Notre-Dame était annoncé en fermeture exceptionnelle à 17h30 donc bien avant euh, l'incendie alors ceci euh, faut pas y voir tout de suite euh, euh, ce qui ne l'est pas euh, tout simplement parce que ça confirme ce que je vous ai dit c'est que euh, on a fermé donc euh, ce monument euh, historique aux touristes et au tourisme euh, et donc, pour que euh, l'office des vêpres soit euh, ait lieu entre quelques fidèles, euh, alors je ne sais pas après euh, s'il fallait une invitation ou pas, mais vous avez vu sur la vidéo que je vous ai montré hier que euh, les on va dire il n'y avait pas foule. Euh, les sièges n'étaient pas, il avait pas, n'étaient pas bondés. Il y avait même beaucoup de sièges libres. Ceci peut aussi euh, euh, être interprété hein, parce que effectivement, peut-être que si on avait un peu tout le monde dans l'édifice, là je parle bien entendu du tourisme et même des, 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 des Parisiens lambda dans l'édifice, peut-être aurions-nous eu euh, beaucoup plus d'informations de l'intérieur que, ce, que cela, peut-être, euh, et même j'en suis certain, hein, peut-être que les touristes bien équipés avec leur, euh, leurs appareils photo et appareils euh, et smartphones en tout genre auraient enregistré, euh, euh, mais même c'est certain des vidéos de l'intérieur, des photos, des enregistrements sonores. Donc effectivement, ça, il faut soulever hein, ce détail. Hein, ce détail sur que j'ai évoqué hier, hein, sans, sans aller au-delà, sur cette, euh, cette chronologie horaire euh, par rapport euh, donc à ce, à ce drame qui s'est déroulé pas à n'importe quel moment, mais juste à ce moment-là où il y avait une cérémonie, on va dire, entre guillemets privée, euh, dont les, 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 les badauds et les touristes, en tout cas, euh, étaient exclus. Hein, on, le, on le voit sur cette capture. On l'a vu sur la vidéo que je vous ai montrée hier, qui est toujours en ma possession. Euh, franchement, Notre-Dame, surtout lorsqu'il y a un office, Aurait dû être beaucoup plus bandé que cela. Je veux dire, c'est vraiment sympa à observer, à assister à un office en plus dans Notre-Dame de, de Paris. Donc, il faut absolument noter ce détail. Ensuite, alors, concernant Macron, rien de nouveau donc emmanuel macron très rapidement euh, veut que la cathédrale soit construite d'ici cinq ans et donc ouvrez les guillemets nous rebâtirons la cathédrale encore plus belle et elle est là mon inquiétude et je veux que ce soit fini donc dans cinq ans nous avons vu cette nuit cette capacité de nous unir pour vaincre il est en train de rêver, hein. il croit que c'est déjà. Il a déjà réussi à nous, à nous fédérer. Et pour vaincre quoi Pour vaincre quoi Nous avons un problème avec lui et ses copains. Hein. Et, euh... et donc il a promis de revenir vers les Français dans les prochains jours pour des propositions concernant le grand débat. Euh... Parce que là, pour lui, le moment n'était pas encore venu. Bah oui, il doit construire une cathédrale. Euh. On a vu fuiter dans les médias, particulièrement euh, un média euh, bizarrement très très bien informé. Hein. On a l'impression d'avoir un état dans l'état, BFMVC, qui nous a parlé. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, regardez depuis des mois ce que je vous dis, euh, qui annonce que Macron n'est pas contre le RIC, euh, mais localement. Mais je vous ai dit que ça serait progressif pour qu'à la fin vous, vous pensiez. Que le Graal du Graal, ce n'est pas changer de monde, ce n'est pas changer de système, ce n'est pas abandonner toutes ces républiques successives, c'est le RIC, le RIC de Marine Le Pen qui était dans son programme présidentiel, ou alors la nouvelle République de Mélenchon qui était depuis toujours dans tous ses programmes. Euh, il faut arriver à un certain moment, les amis à ouvrir les yeux et à être stratège, non seulement poursuivre le vote aux européennes que je vous ai donné, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il faut vraiment voter euh, à contre-coeur, mais voter euh, stratège, il faut empêcher la carte des économistes de mettre euh, Marine Le Pen en première position aux européennes, il n'y a qu'un choix. Si vous votez pour votre chouchou Asselineau, qui est en lien direct avec les francs-maçons, lui-même le dit et ne s'en cache pas, il y a dit, ils sont autour de moi, comme il y a autour de moi des juifs, des arabes, ben non, 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 les francs-maçons, tu ne peux pas les assimiler à n'importe quelle tendance. Déjà, il faut qu'ils sortent du secret, et après on discutera. Euh, donc, ça sera une déperdition de voix, ça sera. Une dispersion de voix. De la même manière, les personnes qui ne voteront pas, qui s'abstiendront, ou les autres qui mettront un, un bulletin blanc, c'est des voix qui seront perdues et qui iront grossir euh, mathématiquement euh, un camp ou l'autre. Et là, nous avons, nous voulons justement, nous, notre seule action aujourd'hui, c'est de bloquer cette carte-là qui met. Marine Le Pen en tête aux Européennes. Donc la seule manière, stratégie, 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 la seule manière, c'est de voter à contre-coeur massivement pour euh, la République en panne de Emmanuel Macron. Vous pouvez retourner la chose dans tous les sens, vous ne trouverez pas une autre solution. Voilà. Et surtout pas, n'allez pas voter pour les gauchistes euh, francs maçons euh, de Mélenchon euh, ou d'autres. Hein. Euh, donc, euh, entre autres, euh, là je vais commencer à tenir à ranger les informations sur Notre-Dame parce qu'il y a beaucoup d'informations, il faut ranger, 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 ranger. Euh, donc, on a vu, euh, bien entendu, ça fait partie euh, de la chose, on a vu des miracles, et donc euh, on nous a annoncé euh, Jacques Chanu, président de la Fédération Française du Bâtiment. Hein, nous a annoncé que le coq de bronze de la flèche de Notre-Dame de Paris a été retrouvé parmi les décombres. Un vrai miracle. Et on, je pense qu'on nous aura plusieurs miracles. Déjà, euh, le miracle des miracles, c'est vous avez vu le feu, vous avez vu sur les images, sur les vidéos, et cette magnifique cathédrale reste debout. Euh, si vous comparez ceci avec les tours jumelles du World Trade Center qui se sont effritées euh, comme de, 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 de la poterie, comme de l'argile, euh, et même il y a une tour, la, la tour numéro, le bâtiment numéro 7 qui n'a été touché par absolument aucun avion, rien du tout, qui d'un coup, comme ça, il est tombé tout seul. Il y a de quoi euh, se poser des questions. Alors, pas forcément sur Notre-Dame euh, de Paris, mais euh, sur euh, l'attentat du 11 septembre pour les personnes qui bien entendu ne se sont toujours pas posé la question. Pour les éveiller, la question est, a été euh, rencontrée depuis très très longtemps. Euh, euh, donc euh, euh, je vais traverser plusieurs informations. regarder... Regardez ce que j'ai trouvé les amis. Alors j'ai vu ça, cette information, je l'ai vu nulle part. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors nous sommes en, regardez ici, le 31 janvier 2013. Cet article date donc du 31 janvier 2013. Et euh, qu'est-ce qu'on apprend que euh, finalement les cloches que tout le monde aujourd'hui est content de, de, de pouvoir sauver, il euh, bah, y en a neuf, il hein, y en a neuf qui, euh, qui, euh, qui ont été fabriquées et installées en 2013. Donc c'est pas comme certains le soutiennent. Euh, je parle de Macron et ses copains tout n'est pas de d'il y a 850 ans bien au contraire je vais vous redonner l'information que je vous ai donnée hier, c'est à dire que ce monument, l'édifice a déjà subi euh, bon avec la, la Révolution française a déjà subi euh, une, une reconstruction partielle. Euh, donc, voilà les cloches. Je vais vous lire très rapidement. Neuf cloches euh, d'un à deux mètres de diamètre sont arrivées jeudi sous les vivas euh, sur le parvis de Notre-Dame de Paris après avoir quitté dans la matinée la fonderie Corni-Avar de Villedieu les poils dans la Manche au cœur de euh, la Normandie plutôt. Euh, donc les cloches, on a Marie, six tonnes de cuivre, et là on a à chaque fois le, 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 comment dire, la, la clé euh, la clé sonore, Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, donc là ça, elle faisait euh, le sol. Euh, on a Gabriel de 4 tonnes 1 qui faisait le la. Geneviève de 3 tonnes 4 qui faisait le si et ainsi de suite euh, donc ils sont arrivés peu avant 16h30 sur le parvis de Notre-Dame à bord de deux camions grues. Il y a une vidéo hein, qu'on va regarder. Euh, <coughs> donc là il y a un autre monseigneur à l'époque qui nous parlait. Elles avaient entamé leur périple vers 9h avant de rentrer dans Paris par la porte-maillot. Monseigneur Patrick Jacquin, recteur de Notre-Dame, a escorté les cloches à bord d'un bus à impérial. Deux motards de la police ouvraient la voie. Voilà. Des centaines de passants ont salué les cloches. Là, il y a six ans, hein. On parle pas de 1000 ans. Donc, on nous, on nous rappelle qu'elles sont conçues pour durer 200 à 300 ans. Regardez comment ils ont été prophétiques. Ils savaient que tout ceci euh, allait durer encore trois siècles. Euh, donc, pas toutes les cloches ont été construites euh, en Normandie. Parce que, regardez, huit euh, de ces cloches ont été fabriquées par la fonderie. Donc, Corneille, Avar... Dans son four du XIXe siècle, elles, ont, elles sont destinées à la tour nord de Notre-Dame. La neuvième, en revanche, la plus grosse des nouvelles cloches, le petit Bourdon Marie, a été, elle, coulée par la fonderie Royal Ageboot à Aston aux Pays-Bas. Donc vous voyez comment à chaque fois euh, on fait euh, de l'assemblage. Hein, de l'assemblage. On, on nous rappelle bien entendu euh, que c'était le 850e anniversaire de Notre-Dame. Euh, L'opération chiffrée déjà à l'époque, euh, il y avait déjà de l'argent, 2 millions d'euros financés par des dons. Si les, les cloches ont été abîmées, euh, ces pauvres personnes qui ont qui ont fait des dons, hein, je parle des particuliers, euh, euh, ils doivent avoir les boules. Hein. Alors, regardons le passage des cloches. Donc vous avez vu. Alors je ne vais pas m'attarder. Euh, J'ai fait beaucoup de lives et même vous m'avez euh, certains d'entre vous, vous m'avez reproché de parler très très lentement. Mais c'était le but parce que c'était des lives de réflexion et de spiritualité. Et alors je vous demande de vous référer à ces lives là appelés euh, spiritualité pour la plupart, euh, révélation aussi. J'ai fait des lives révélation. Dans lesquels j'ai détaillé ce mouvement de destruction-construction, quel était euh, le but, améliorer les infrastructures lorsqu'une civilisation avance euh, technologiquement, euh, mais aussi euh, pouvoir aussi euh, apporter des modifications majeures à, au château de Versailles et, et autres. Euh, édifices euh, très fréquentés parce que ces monuments et c'est mieux et c'est tant mieux sont très protégés. Euh, là pour le coup, là, en, je vais, je vais, je vais vous montrer le sujet. Euh, donc la, la cathédrale Notre-Dame de Paris est normalement hein, surprotégée. Euh, elle n'est non seulement classée à l'UNESCO, mais classée, j'ai dû chercher longtemps l'information, ce n'était pas évident à trouver parce qu'il y a une différence entre des monuments, monuments historiques en France et des monuments historiques classés, ce qui est encore mieux quand c'est classé. Euh, bah, euh, elle totalise tout, hein, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas apporter de modifications majeures parce que vous êtes bloqué. Et je vous assure qu'il y a tellement d'articles de loi. J'ai cherché aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a tellement de décrets, de modifications, d'articles de loi. Il y en a même qui remontent à, à, à 1800, à 1883, il me semble. C'est très codifié, et surtout lorsqu'il s'agit d'édifices religieux. Là, on, on y rajoute tout ce qui est... Euh, la loi de séparation d'église et de l'État, de financement, etc. C'est ex euh, extrêmement complexe. Alors, bon, ben, vous voyez, là, la main magique euh, du hasard, parce que c'est la seule méthode pour aller vite, hein. il n'y en a pas d'autre, il n'y en a aucune pour aller vite, c'est euh, cette destruction. Alors, soit, je vous ai expliqué dans les lives donc, dont je vous ai parlé soit au travers de, des diverses guerres où vous pouvez refaire des villes entières comme Londres, comme Berlin, comme plein d'autres villes, ou alors déplacer des centres économiques comme ça s'est passé avec Moscou euh, en Russie, etc. Il y a d'autres pays qui font le choix d'avoir double capitale comme ça. Il, euh, il y en a une qui est historique, euh, qu'on va plutôt respecter. Euh, euh, on va dire euh, du point de vue protection du patrimoine et l'autre qui va être économique sur laquelle on peut, on peut y aller euh, s'il y a besoin de, de, de casser, de mettre en chantier par exemple pour faire passer des, des, des avancées technologiques comme la fibre optique etc. Ben ben on, on détermine une capitale économique qui peut changer dans le temps et on préserve la capitale historique. Je vous ai donné plein d'exemples dans plein de pays où il y a des doubles capitales. Bon, en France, ce n'est pas le cas. Euh, euh, donc, voilà, là, c'est vraiment... Si, euh, si on voulait euh, euh, apporter des modifications majeures, ne serait-ce qu'à la structure, parce qu'effectivement, est... on peut entendre que là, ils ont installé les cloches, qu'il y a eu plein de soucis euh, de sécurité, etc. On peut l'entendre. Et que la... Ils sont arrivés à la conclusion que l'édifice pourrait être dangereux pour le tourisme et pour les, 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 toutes les personnes qui vont fréquenter l'édifice. On peut l'entendre, mais à ce moment-là, il aurait fallu le dire. Vous comprenez qu'il faut entretenir, bien entendu, cette, cette cour des miracles. Euh, vous imaginez euh, annoncer au monde entier que la cathédrale, il euh, y a tout qui va céder. Euh, Là-haut, ils appellent ça la forêt, apparemment, c'est hyper, hyper compliqué. Euh, bon, ben voilà. Là, non seulement on montre que la cathédrale elle, elle tient debout mieux que le World Trade Center, mais en plus, ça permet de chanter toutes les protections juridiques et elles sont tellement nombreuses qui auraient empêché d'aller. De, de, au bulldozer ou au marteau piqueur directement taper la 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 la, la toiture le, le le comment dire les combles pour pour tout refaire voilà moi j'en suis intimement persuadé, il y a d'autres raisons parce que nous voyons cette carte des économistes et plein d'autres prophéties parce que on peut trouver aussi la symbolique de la maison de Dieu qui brûle ce haut lieu de la foi chrétienne. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui se rejoignent, c'est comme vous savez c'est comme euh, déclarer une guerre, ou par exemple des sujets comme les chemtrails. Il n'y a jamais une raison ou deux raisons. Vous-même, lorsque vous prenez une décision dans votre vie, admettant que vous voulez vous acheter une maison, vous n'allez pas acheter une maison juste pour y habiter. Vous allez acheter une maison pour y habiter, pour ne plus être locataire, pour par exemple changer de, de, de quartier ou de région. Pour avoir un jardin parce que vous n'avez pas un jardin, pour pouvoir y loger votre famille, pour vous voyez, on, on, on prend pas des décisions comme ça sur une raison. Il y a toujours une multitude de raisons qui peuvent vous amener ou non à prendre des décisions comme les guerres, comme euh, déclencher des événements majeurs ou peut-être des attentats, etc. Il y en a une multitude. Euh, alors, je sens que ce live va durer longtemps. Je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Il y a tellement de choses à dire, les amis. Donc, je vais avancer du coup. Euh, ici, on va regarder. Alors... Avant, restant dans le sujet, je vais vous donner l'information, vous la redonner que j'ai donnée hier, euh, bon, bah, sans aller vraiment vous sortir des, 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 de grandes références. Hein. Cette information, vous pouvez la trouver partout. Euh, sachez que euh, donc la construction de Notre-Dame s'est étendue sur plus de deux siècles, de 1163 euh, au milieu du euh, 14e siècle. Euh, donc, jusqu'au milieu du 14e siècle, euh, après, et là c'est important, c'est ce que je, je vous ai dit hier, c'est ce que je vous répète. Donc, après la tourmente révolutionnaire franc-maçonne, la cathédrale a bénéficié de 1844. C'est cette information que je vois très très peu euh, dans les merdias et ailleurs. Personne ne veut citer cet événement, pourtant, la. Elle a bénéficié d'une restructuration très importante. Regardez, ça a duré 20 ans. Donc la cathédrale a bénéficié de 1844 à 1864, donc après la, la création de la République, d'une restauration très importante. Et c'est là où j'attire votre attention et parfois controversé, hein, d'accord. Euh, alors pourquoi controversé? Parce que effectivement, ils n'ont pas fait à l'identique, ils ont fait des, des rajouts, des modifications, etc. Euh, donc c'était sous la direction de l'architecte Violet le duc qui y incorpore des éléments et des motifs inédits. Entendez ça. Hein Ceux qui vous disent que là, 850 ans il, il, il vous cache une partie de la vérité, elle a été modifiée. Hein. Donc il, il y a incorporé ce, ce, cet architecte des motifs inédits. Pour des raisons, le style n'est pas, conformi... pas une uniformité totale. La cathédrale possède ainsi des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Et il est là le problème. Euh, donc vous voyez, là ce qui m'inquiète, et je vous l'ai dit hier, c'est qu'on voit les grandes déclarations se succéder, on va reconstruire, on va bâtir, mais personne ne nous dit, à commencer par Macron lui-même, si c'est une reconstruction qui va respecter scrupuleusement... Le, le, la, la, les, comment dire les plans les détails d'origine si possible euh, d'il y a euh, 850 ans euh, moi je doute hein, je doute mais surveillons ensemble je doute je pense que euh, vu les maîtres d'œuvre euh, Anne hidalgo et ses multiples euh, frasques euh, et sa tendance euh, on va dire euh, très euh, malsaine, vicieuse euh, euh, au niveau de, de, de tout ce qui est culture et art. Il y a qu'à voir les, les sculptures qu'elle autorise de temps en temps. Euh, la plus célèbre, c'est celle euh, sur une, euh, qui a eu place Vendôme. Hein. C'est juste un, un, un sextoy pour ceux qui ne connaissent pas cette, cette horreur. C'est juste un sextoy qui est utilisé pour mettre dans l'anus hein, pour ceux qui, qui ne savent pas euh, quand on voit le goût de certains euh, bah, y compris tiens il s'est réveillé celui le qu'on appelait Notre-Dame de Paris euh, de la Noé bah, pareil hein, c'est leur goût euh, m'inquiète beaucoup pour la reconstruction euh, donc de, de Notre-Dame de Paris Macron vous connaissez ses goûts vous avez vu comment il a transformé l'Elysée en boîte de nuit on va dire oui on peut dire en boîte de nuit gay multi multi multiethnie enfin, c'était assez bizarre comme soirée donc là là je vous assure les amis je suis très inquiet et vous avez nous avons de quoi nous inquiéter euh, donc on reste toujours, euh, ce qui m'inquiète, c'est qu'on reste toujours dans les modifications euh, imposées par la République. Donc euh, les modifications imposées par la République dans les domaines qui devraient lui être interdits. En tout cas, moi, votre serviteur, je me bats pour qu'un jour on y parvienne à interdire à l'État, à la République de comme aujourd'hui vouloir régenter absolument tous les domaines de notre, de notre existence, c'est-à-dire le domaine particulièrement sociétal, qui ne fait, vous le remarquerez, qui ne fait partie d'aucun débat, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants, la modification de nos valeurs, la modification des structures familiales. La modification et, et, les, et la manipulation de, de des pensées, de nos pensées, pour à la fin n'en faire qu'une. Et vous le voyez dans tous les merdias, c'est une pensée. Euh, la diabolisation de tout ce qui est religieux pour imposer la religion républicaine, euh, de l'attaque de la famille, de la, des attaques contre la famille. Euh, la famille, bien entendu, selon les normes chrétiennes juive, musulmane, c'est les mêmes normes, d'accord euh, Ceci est dans le but, c'est aussi des normes de beaucoup de personnes euh, laïques ou d'autres religions, hein, entendons-nous là-dessus, hein, ce qu'on appelle famille, hein, un mariage, un, un père, euh, une mère, des enfants, euh, des... des, des des, comment dire des cousins des frères et sœurs, des familles qui se voient qui se revoient qui sont unies. Euh, voilà euh, ceci euh, traverse les, 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 les dépasse même les, les, les religions euh, monothéistes que j'ai citées mais il faut reconnaître que la base de la base si on veut être totalement honnête, c'est la base de la base, c'est bien entendu la religion, la religion juive, ensuite la religion donc, euh, chrétienne, catholique, et ensuite la religion euh, musulmane. Il faut être honnête, c'est juste un, 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 un cheminement chronologique de l'arrivée des religions. Et vous remarquez que les trois livres sont à quelques détails des, des suites et des copies. Et les, les, que ce soit les, les anges, les archanges, les prophètes, ils sont reconnus dans les trois livres et dans les trois religions. Donc il faut arrêter de dire que ceci est différent de cela, etc. Euh, donc le, leur but, euh, c'est bien entendu diviser les citoyens et affaiblir euh, donc les possibilités euh, d'alliance intra-peuple. Contre l'État en cas de comportement tyrannique de l'État et vous voyez que ça fait des décennies et même des siècles qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans euh, dans un système extrêmement sévère, tyrannique, euh, sourd euh, des institutions républicaines qui nous piétinent en permanence en tant que d'individus, en tant que citoyens. Les merdias vont nous donner un un le son de cloche. Totalement opposé, totalement inverse, c'est-à-dire qu'ils vont défendre inconditionnellement les, euh, les professeurs qui se font agresser alors qu'on n'arrive vraiment pas à se faire entendre contre l'éducation nationale. Ils vont défendre les. Euh, euh, mais c'est toujours des, 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 des minorités hein, qu'ils exhibent comme ça à l'écran, bien souvent. Je vous l'ai assez, dé <coughs> assez démontré. Des intermittents du spectacle. Euh, alors, ils vont défendre les pauvres euh, personnels soign soignants dans les hôpitaux qui se font bastonner et agresser. Alors que, franchement, quand vous êtes à l'hôpital, combien d'erreurs il y a, combien ont constaté euh, le traitement qui est imposé aux patients qui, est bien souvent, un traitement inhumain, on est laissé de côté, etc. Et bien là, là c'est la pause. Combien de fois on a signalé l'horreur des hôpitaux psychiatriques, mais non, les merdias, ils vont vous dire c'est les patients qui posent problème, ils agressent le personnel, c'est pas possible, mais en même temps, ils vont pas les défendre. Hein. C'est toujours la même comédie, la même chose. On a du matin au soir. On nous montre des pompiers qui ont le vertige, des policiers qui ont peur de, 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 de travailler en tant que policier. Hein, c'est que comme ça. C'est que comme ça, les amis. Euh, donc, euh, euh, c'est le, le. Comment dire la, la. La bulle. La bulle de. de, de de déformation et de désinformation, elle est totale. C'est euh, au travers de la culture, des médias, des politiques et de leurs opposants qui nous sont imposés, c'est-à-dire que le, tout est fermé. Euh, les films, les séries, les jeux télé, les feuilletons, les télécrochets, de, de manière générale, pour parler des émissions, les anuna-like, les musiques promu, hein, parce qu'il y a des musiques qui ne verront jamais de, de, de promotion sur les radios et, et, et sur les chaînes télé, mais les musiques, on, on nous répète, on nous rabâche, euh, on, on continue, euh, détiennent euh, des, des, des messages. Euh, subliminaux, hein. vous ne vous arrêtez pas à la signification des messages parce que vous avez toujours entendu ces air un peu partout, y compris lorsque vous allez faire vos courses dans les supermarchés, forcément. Euh, après, vous, ça devient, dès que vous entendez cette musique, vous avez en. Ah, elle est bien celle-là euh, Voilà, mais vous regardez, regardez les textes de certaines musiques que vous répétez, par exemple. La, la, une chanson qui tourne tout le temps, que moi-même j'aime bien, la, la, la mélodie, mais qui dit euh, ⁇ Une femme avec une femme ⁇ Mais pourquoi on n'entend pas, par exemple, de temps en temps aussi, euh, euh, un, un homme avec une femme, un père avec, euh, avec une mère Mais c'est insupportable. Euh, les festivals pareils. Les associations promues dans les médias, pareil. Les youtubeurs et les Facebookers, les, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont promus par le système, qui sont cités dans une chronique ici ou cités là-bas, c'est pareil. Vous les voyez, euh, vous le voyez, vous voyez beaucoup de manipulation aujourd'hui grâce aux gilets jaunes, parce que vous voyez devant vos yeux le, la comédie qui est orchestrée par et au travers des gilets jaunes médiatisés et vous voyez de vos propres yeux que c'est le débat est complètement fermé verrouillé vous le, vous le constatez ce qu'on vous dit depuis des années vous le, vous, vous le voyez aujourd'hui ça devient trop criant les, euh, les radios les magazines la presse les publicités vidéos surtout les publicités vidéos des ravages quand vous voyez la publicité par exemple, euh, euh, à 50 ans, euh, voilà, et puis vous voyez plein d'exemples de, de, de ce qu'on attend de nous à 50 ans pour dire j'ai réussi ma vie, mais il n'y en a aucune sur, dans laquelle personnellement je m'identifie, que ce soit mettre un costume rose, euh, sauter partout, etc. C'est un, un massacre. Euh, les prospectus que vous recevez chez vous, contiennent plein de messages Tiens. regardez là la première vue alors est-ce que la première vue c'est un prospectus comme un autre regardez euh, la deuxième paire à 0 euros euh, voilà là je m'en fous hein. je citerai pas la marque mais je pense que vous la voyez bien voilà c'est un prospectus comme un autre d'accord ok? Bon, regardez. Alors là, vous voyez, c'est un prospectus. Vous voyez. Bon, regardez cette, 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 cette page-là, la première page. Regardez. Vous, vous l'avez vu D'accord C'est pas anodin ça. C'est pas anodin. D'accord ce signe comme ça satanique avec en plus, et qu'est-ce qu'il est moche avec la, la langue comme ça sortie. Et lui, c'est sûr que c'est pas ses cheveux, etc. C'est pas anodin. Et il y en a qui s'en cachent pas, hein, qui, qui vont vous, vous écrire carrément euh, euh, c'est diabolique, c'est des, des promotions euh, diaboliques. C'est pas un. Il n'y a rien d'innocent. Il n'y a rien d'innocent. Euh... Les prospectus, c'est pareil pour les rendez-vous sportifs, euh... tous les événements. Je pense que vous commencez à comprendre après euh, la dernière Coupe du Monde que c'est une répétition à l'infini de. de d'exclamations, de joie, et Champs-Élysées, Champagne. Beaucoup d'entre vous, bon, ben, mordent toujours, mais... faut espérer que vous vous réveillerez un jour. Tout est manipulé, c'est prouvé, ça a été balancé, y compris par cette blatteur, et je ne sais plus comment il s'appelle, le, le, le français euh, qui était à l'UFA, où il y a eu des, des, des procès. Euh, ils se sont étripés ensemble avec la FIFA euh, bah, son nom me reviendra mais il, il a tout balancé il a dit que les tirages au sort on met des boules vous pouvez mettre 15 caméras autour de, de l'urne mettre des enfants comme ils aiment faire ou des adultes, peu importe et il a expliqué la méthode c'est que les boules, il y en a si vous voulez que telle boule soit choisie vous en mettez en congélateur quelques Instants avant, et après c'est au toucher. Il y en a même qui sont chauffés. Il y en a même, il a dit, qui sont euh, vibrantes. Comment voulez-vous détecter ça en regardant votre écran de télé quand bien même il y a des caméras partout Vous ne pourrez pas la manipulation, elle est totale. Euh... Platini, Platini, voilà. Euh... Ensuite, je voulais vous dire un mot, on a vu aussi hein, les, les, tous les signes que font Macron, Hidalgo et d'autres athlètes, hein, leur pyramide et tout, vous voyez, ils sont tous manipulés, manipulateurs, parce qu'ils manipulent nos enfants, ils manipulent euh, même beaucoup d'adultes, euh, les athlètes, les joueurs promus, euh, vous remarquerez euh, que par exemple chez les athlètes, mais chez, aussi chez les artistes, les stars, certains euh, sont exclus, soit sont promus jusqu'à un certain moment, et lorsqu'ils ne veulent plus, comme les chefs d'État aussi de pays, quand on va casser euh, parce qu'à un moment ils ne veulent plus marcher dans la combine, bah, vous remarquez qu'il y a certains euh, athlètes ou joueurs qui sont exclus. Alors il n'y en a pas tellement, mais là on peut même lui reconnaître remarquer aisément euh, la, 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 comment dire le le, le 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 la cabale le système d'exclusion totale euh, qui a été euh, qui est toujours en place contre Benzema alors Benzema euh, on lui a reproché mille et une choses mais enfin, aujourd'hui maintenant que vous êtes informé sur les ravages de la République etc est-ce que on peut raisonnablement reprocher à Benzema de ne pas vouloir chanter la Marseillaise, qui est un chant tout sauf, euh, on va dire, promoteur de, de, de l'amour et de, et de la bienveillance et de la paix. C'est un, un chant juste qui appelle à prendre des armes et aller, euh, aller, euh, aller chercher les... les... Aller se mettre en guerre, hein, tout simplement, hein. euh, à se mettre en conflit, est-ce qu'on peut raisonnablement continuer à lui reprocher de ne pas l'avoir chanté ben, Il a été visionnaire là-dessus, il a été visionnaire, tout simplement. Euh, alors, il y a les stars Bigard... bigards qui, qui remplissaient des stades de France. Euh, là, il est complètement exclu du champ euh, merdiatique, Pourquoi Parce qu'il a eu le malheur de dire attendez, le 11 septembre, peut-être la version officielle n'est pas euh, tout à fait vraie. Exclu. Euh, après, vous connaissez un célèbre Coluche, qui, est dans, maintenant qu'ils l'ont tué, on utilise euh, sa marque, euh, enfin, son nom, pour faire passer. Euh, les artistes corrompus qui vendent des disques qui surtout euh, se font leur promotion sur son nom, les enfoirés, mais c'est vraiment des enfoirés là, y, euh, on pouvait pas mieux choisir comme nom. Hein. Euh, Dieu donné, vous connaissez Dieu donné, il, il passait partout, il est même super drôle, il l'était, il le reste toujours. Comment il est totalement blacklisté, euh, euh, étranglé. Euh. Bon, j ai, j ai, les exemples, vous pouvez les trouver tout seul. C'est pareil pour les journaleux, les animateurs, les chroniqueurs, les philosophes, les penseurs, les écrivains, les artistes, de manière générale. Qui, je parle de ceux qui sont embauchés, parce que tous ceux qui, qui galèrent, qui, qui qui sont au chômage ou qui sont aux aides ou peu importe, qui se sont re, reconvertis dans d'autres métiers, alors qu'ils ont un talent, euh, que ce soit intellectuel ou artistique. Je peux me considérer moi-même en faisant, en faisant partie, mais on peut aussi citer quelqu'un comme Alain Soral. Vous voyez, Alain Soral qui risque de d'aller se faire enfermer pendant un an, peut-être moins avec les remises de peine, mais enfin, c'est absolument hallucinant. Euh, on monte, on monte les enfants contre les parents, les femmes contre les hommes, les nationaux contre les immigrés, etc. etc. J'en passe. Voilà, c'était mon coup de gueule. Euh, euh, je vais revenir à mon sujet. Alors, regardez. Euh, ça va faire une sacrée vidéo là on est presque à une heure regardez cet article quand les pompiers simulaient un incendie à Notre-Dame de Paris et donc on voit que il euh, y a une une simulation. On se demande à quoi ça sert finalement les simulations, parce que s'il y a rien qui est mis en, mis en place pour éviter les incendies, enfin franchement, c'est ultra protégé hein, cet édifice. Je, je vous l'ai dit, je vais vous le démontrer. On ne peut pas comme ça se balader avec un briquet. Euh, craquer une cigarette dedans c'est pas possible et en plus il y a des exercices on n'arrête pas de nous dire que les pompiers ils viennent, ils font des exercices, des recommandations enfin, c'est sérieux tout ça vous savez, on peut pas euh, aller travailler avec sa bière et sa cigarette non plus euh, là, donc ça a été filmé par France 2 en septembre 2018 d'accord euh, on va regarder Très importante incendie dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les images sont extrêmement impressionnantes. Les images des flammes sont impressionnantes. Les pompiers de Paris sont mobilisés. Qu'est-ce qui se passe Il y a le feu à Notre-Dame Il n'y a pas le feu à Notre-Dame. On va faire des, des essais euh, dans le cadre du plan de sauvetage des œuvres. Laurent Prade est le responsable du patrimoine intérieur de Notre-Dame. Il veille notamment sur les très grands tableaux de maître, des œuvres de 3 mètres sur 4 impossibles à déplacer. La mission euh, immédiate des services de la mairie de Paris et du patrimoine était donc de faire l'inventaire des œuvres qui sont à l'intérieur de Notre-Dame de Paris afin d'en sauver le maximum. En cas d'incendie, seule des bâches pourraient protéger la visitation du peintre Jouvenet. On l'a vu hélas récemment ces dernières années, il y a eu de grands incendies en France dans des monuments historiques. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous mettions en place ce plan au cas où nous aurions des problèmes ici à Notre-Dame. C'est vraiment la cathédrale des trésors et il faut penser à tout. C'est une cathédrale. Mais il y a aussi ces trésors euh, d'art sacré. Est, ça fait partie du patrimoine religieux, du patrimoine français. L'incendie dont l'origine et l'étendue restent encore inconnues serait lié, selon les pompiers, à des travaux de rénovation de l'édifice. L'architecte en charge de la restauration de Notre-Dame veille sur la cathédrale avec un soin amoureux. Ces derniers temps, vu qu'il y a un chantier important qui se passe juste au-dessus. La cathédrale est en chantier. La pierre s'habille de métal. Un échafaudage de 250 tonnes s'accroche à la structure du monument. Et un ascenseur nous mène à 50 mètres au pied de la flèche. Chute de la flèche de Notre-Dame de Paris, voyez, qui donc euh, s'effondre. Ces poutres sur lesquelles repose la flèche. Chute de la flèche de Notre-Dame de Paris, voyez, qui donc euh, s'effondre. C'est insupportable à chaque fois de, de, de revoir quel gâchis et quelle négligence. Ça sert à quoi leurs exercices, leurs recommandations Mais pas uniquement les pompiers. On voit les exercices contre le terrorisme. Du matin au soir, on nous dit qu'on a les meilleurs services secrets au monde, la meilleure police au monde. Euh, et on est quand même un pays où euh, le, 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 les actes terroristes... Euh, S'accomplissent comme dans une passoire. C'est pas possible. On a quand même une, une femme, je vous l'ai montré, alors j'ai pas son nom euh, en tête, qui fait partie d'une clique, de la clique de Jérôme Rodrigue, euh, qui demande quand même la destitution du, de Macron, soi-disant, et qui simule euh, être vraiment dans une confrontation frontale avec notre président, qui arrive comme ça, elle débarque à Bordeaux en plein soi-disant débat. Euh, tranquille, elle passe tous les filtres et elle explique gentiment devant les caméras qu'elle a regardé ça dans sa télé, devant sa télé, et que elle a sauté dans sa bagnole. Elle est venue, elle, elle s'est retrouvée avec un micro, à parler à notre président, à le toucher, à vouloir lui offrir un pins. Mais c'est quoi ce délire Mais que font, que fait la police, comme on dit que font les services de sécurité? Que fait l'armée? Que font les services de sécu... de d'intelligence? Que, servi... que font les services secrets? Bah, c'est eux-mêmes les services secrets. Euh... Donc voilà les miracles. On apprend aussi que. Euh des statues et euh, la flèche de la cathédrale ont été sauvées de justesse. Là on va avoir une succession de miracles. Euh, J'aimerais juste euh, très rapidement les amis vous montrer parce que les merdias se cachent généralement de parler euh, tout ce qui touche à la Russie. Regardez quelqu'un dans mes contacts sur VK. Euh, ce qu'il a partagé. On peut lire Triste jour, euh, euh, donc c'est quelqu'un, c'est une Russe, Yulia Zvel... Zvetlova qui dit euh, Triste jour, une des cathédrales les plus belles du monde, âgée de 800 ans, disparaît dans les flammes. Les Russes rendent hommage à Notre-Dame. Les Moscovites continuent de porter des fleurs à l'ambassade de France en Russie. Les Premier œillet rouge en relation avec la tragédie, un incendie dans l'un des principaux symboles de Paris, Notre-Dame. Et là, je ne sais pas si on peut regarder, voilà la photo en un peu plus grand. Euh, regardez ce que les Russes euh, amènent devant l'ambassade de France. Bon, ben, ça ne sert à rien parce que s'ils savaient juste que l'ambassade de France n'en a rien à foutre. Euh, mais c'était pour vous montrer, hein, les Russes qu'on diabolise, c'est pas forcément comme on nous le dit, c'est-à-dire des sauvageants, un peu comme on présente euh, plein d'autres peuples. Euh, alors, avant de donner cette information, je voulais vous montrer... Oui. Alors, pour rester, euh, je vous ai parlé hier donc de ce, cet acte euh, terroriste qui a eu euh, devant sur le parvis de Notre-Dame un déséquilibré qui a sauté euh, apparemment en disant à Wakbar euh, sur deux ou trois policiers qui étaient en patrouille sur le parvis et qui a été abattu. Alors, j'ai dit hier qu'il fallait vérifier. Je n'ai pas vérifié, mais je vérifierai, promis. D'ailleurs, on va le faire là. Il y, a même, il y a même la vidéo un peu partout. Hein. Ah il, il, il n'est pas mort. Voilà, c'est bien de vérifier. Au moins, j'aurais pas répété. Tiens, je vous mets ça à l'écran. Voilà de quoi je vous parlais. Euh, attaque à Notre-Dame. Le terroriste au marteau, djihadiste, néophyte, mis en examen et écroué. Euh, donc vous voyez cet article, il date de 10 juin 2017. D'ailleurs en ascendant, Farid Iken, l'auteur de l'attaque au marteau mardi 6 juin contre un policier sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi soir. Euh, cet homme professionnellement inséré n'avait jamais montré à ses proches de signes de radicalisation, ce qui confirme ce que euh, je vous disais. Ça veut dire qu'il est commandité, jamais condamné, inconnu des services spécialisés et sans contact à ce jour euh, établi avec des individus présents en zone irak Syrienne. L'apparence du profil d'un néophyte que les services de lutte contre le terrorisme redoutent cependant tout autant que des profils plus aguerris. Et après, on nous a parlé bien entendu euh, d'un manuel d'action, des loups solitaires, etc. Voilà. Bizarrement. Euh Anne Hidalgo, qui euh, donnait de sa fortune personnelle en apprend 50 millions d'euros, bien entendu, elle va décider, elle va rajouter ses petites touches euh, pour la reconstruction de, de, de Notre-Dame. Euh, elle a été paniquée pour la Tour Eiffel, elle a fait ses vitres et, et tout ce qu'elle n'arrête pas de faire, mais euh, là nous avons un attentat. Euh, sur le parvis de Notre-Dame, aucune mesure par rapport aux. que ce soit le, les touristes, les policiers. Non, là, c'est. bizarrement, elle a été. Euh, je ne sais pas ce qu'il a retenu. C'est peut-être ce, ce fameux hasard hein, qui existe beaucoup en France. Euh, et donc, euh, il n'y a pas eu uniquement. Euh, Justement, euh, cette attaque. Rappelez-vous, alors là c'est un article en anglais, mais on est obligé malheureusement d'aller chercher ailleurs. Donc rappelez-vous de ces trois femmes euh, euh, qui, euh, qui étaient liées à ce, cette voiture, pardon, à cette voiture donc garée. Euh, moi j'y étais sur les lieux pour, pour regarder, je peux vous dire, euh, je sais exactement où elle était garée, la bagnole. Et elle était garée de l'autre côté de la Seine, et avec juste le pont à traverser de l'autre côté de la Seine, c'est-à-dire pour moi, c'est à beaucoup moins que 100 mètres, même à moins de 50 mètres. Elle était juste en face de, 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 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc une voiture bourrée de bouteilles de gaz, on nous dit. Après, vous vous rappelez des arrestations spectaculaires On est parti euh, donc débusquer ces femmes-là euh, dans leur cité, dans leur domicile. Alors, on nous apprend que une, une des trois femmes. Euh, Elle a donc Inès Madani, elle a 22 ans euh, et qui va être condamnée six bouteilles de gaz, hein, six bouteilles de gaz. Donc on va... Euh, son procès va démarrer le 23 septembre. Elle a été donc sa... son avocate dit qu'à l'époque elle avait 18 ans, donc... Euh, elle cherchait de l'amour, etc. Elle a été manipulée, hein, surtout. Hein. Et euh, alors, je cherchais euh, ce qui a été requis contre elle. C'est une peine assez lourde. Euh, mon, la question que j'aimerais donc euh, me poser et, vous, et que vous vous posiez avec moi, c'est où sont passées les deux autres femmes et comment peut-on croire qu'un tel projet se limite à juste trois femmes hein, C'est toujours pareil, hein, les enquêtes ne sont jamais faites comme il faut, on cherche jamais les commanditaires, on n'a en pas envie de chercher tout simplement. Mais cette gamine de 18 ans, on nous dit qu'elle était avec deux autres femmes, forcément, euh, elles ont dû s'influencer les unes les autres. Pourquoi on, on voit qu'il qu y aura son procès à elle et que sont devenues les deux autres femmes Ceci, euh, je vais vous dire tout de suite ma pensée, hein. ceci est pratiqué souvent lorsque les deux autres femmes ou, ou une des deux autres femmes fait partie des services secrets, des services euh, euh, de façon générale de... de de police et d'infiltration le problème c'est qu'il ne se limite pas uniquement à infiltrer c'est qu'il crée il crée les les, les les comment dire les il crée les euh, les euh... Les motivations, ils créent les motivations criminelles ou terroristes chez les personnes qu'ils approchent. Les preuves sont partout de ce que je vous dis, elles sont partout. Vous pouvez trouver un article, des articles très bien faits sur les pratiques du FBI aux États-Unis qui travaillent au corps plein de personnes et infiltrent des, 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 des groupes. Pour leur mettre en tête euh, qu'il faut qu'ils passent à l'acte, qu'ils commettent des actes terroristes, ils leur fournissent de l'argent, ils leur fournissent des armes, ils les poussent à bout jusqu'à euh, que l'acte que soit commis ou alors de les arrêter avant pour, pour, pour faire le, le, de la publicité politique. Donc ces méthodes sont très connues. Euh, D'ailleurs, le, le, le boxeur, donc. Euh, euh, détingé pour moi c'est évident qu'il s'est fait balader de la même manière il s'est retrouvé là où il devait pas être il a cru défendre une femme et puis là, voilà le, le piège s'est refermé les politiques sont arrivés à leur fin et puis lui le pauvre il, il a fini en prison On apprend aujourd'hui euh, qu'il y a eu euh, donc évacuation d'un gratte-ciel euh, à Madrid pour, pour une euh, comment dire pour une alerte à la bombe. Euh, le gratte-ciel abrite les ambassades du Royaume-Uni, Royaume du Canada, de l'Australie et des Pays-Bas. Voilà, cette information. Ensuite, vous avez soulevé, vous avez été beaucoup à soulever euh, la question euh, de, de la simultanéité euh, de, 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 du drame de, euh, de, de Notre-Dame de Paris. Avec euh, presque la même chose donc euh, à Jérusalem, la mosquée de Al-Aqsa. Euh, alors là, je déteste ce, ce torchon libération, mais ici ils ont fait une comparaison. Euh, selon les administrateurs de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, de jeunes garçons ont mis le feu lundi soir. Un poste de sécurité à l'extérieur de la mosquée Al Marwani. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers. Hier soir à 22h58, le magazine américain Newsweek annonçait l'incendie de la mosquée à aqsa de Jérusalem brûle en même temps que les flammes engloutissent la cathédrale de Paris. Donc euh, effectivement, c'était en même temps. Alors ici on minimise. Même les Palestiniens eux-mêmes minimisent ce qu'ils disent. C'est des, des gamins qui ont fait ça, et, et ça n'a pas, pas été loin. Un incendie causé par l'absurdité de garçons. Et à la fin, donc, ce journal conclut la faible couverture médiatique de cet incendie par la presse palestinienne et israélienne ce matin témoigne du fait que les dégâts sont peu importants. Drôle de conclusion ne, va, ne valait-il pas mieux euh, vérifier, euh, je vais dire, par eux-mêmes euh, Moi, je ne pense pas que la presse palestinienne est restée totalement silencieuse parce que, justement, on a vu plein d'informations euh, venant exclusivement, euh, encore une fois, soit de, euh, de sources anglo-saxonnes, soit des Palestiniens. On va regarder vite fait euh, les quelques images. Alors voilà pour cette information. Euh, ensuite... Alors, je ne peux pas arrêter cette, ce live sans donner les informations sur les... Euh, pareil, vous avez questionné, d'ailleurs, c'est Joachim qui avait soulevé... Euh, tiens. Joachim, tu avais soulevé, donc tu disais euh, un truc bizarre euh, la cathédrale Notre-Dame brûle le jour où Macron est censé faire des annonces. Ensuite, on ne sait pas si c'est criminel ou accidentel, mais on lance direct des appels aux dents. Alors que si c'est accidentel, les assurances sont là, me semble-t-il. Et c'est très pertinent ce que tu as dit. Alors, allons voir justement de quelle manière est assurée. Euh, Notre-Dame de Paris. Et là, donc, il m'a fallu des, des recherches, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, il y a une différence, c'est bien expliqué ici. Euh... Deux niveaux de protection existent, un monument peut être classé ou inscrit comme monument historique. L'inscription euh, qui était avant à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est une protection des monuments représentant un intérêt remarquable à l'échelle régionale, contrairement au classement protégeant les monuments présentant un intérêt à l'échelle de la nation et qui constitue ainsi le plus haut niveau de protection. Dans le cas d'immobilier, la décision de protection énumère les parties de l'édifice qui sont protégées, à moins que celui-ci ne soit entièrement protégé, aussi bien des éléments extérieurs qu'intérieurs, ainsi que ses abords. Il semble que euh, Notre-Dame euh, de Paris soit dans ce cas-là, donc c'est sûr, elle est classée, elle n'est pas juste inscrite, hein, c'est encore mieux, elle est classée, elle n'est pas juste inscrite, mais en plus, il paraît que d'après ce que j'ai pu trouver que c'est pas uniquement quelques parties de, le, de la cathédrale qui sont protégées ou du mobilier à l'intérieur c'est l'intégralité de la cathédrale alors euh. Donc, on en arrive euh, donc à chercher euh, qui est l'assureur. Et là, c'est assez simple. Euh, D'ailleurs, sur le, le, le site gouvernemental, euh, on nous le dit. Euh, en France, l'État détient traditionnellement le monopole de la propriété et de la protection des monuments emblématiques français qui appartiennent à la nation. Euh, donc, la loi de 1913 sur les monuments historiques attribue à l'État et à lui seul les compétences pour en assurer la protection. Donc, ensuite, on nous parle de décentralisation, mais là, on est dans un monument, je vous le rappelle, qui n'est pas euh, inscrit, mais classé, ce qui, est, ce qui est une différence de taille. Et. Euh, Alors, article de France Info, euh, donc Notre-Dame de Paris, joyeux de l'architecture gothique. Là, il précise pas qu'il y a eu deux, deux gothiques là-dedans, hein, le, leur gothique à eux et le, le gothique euh, original. Ça, c'est bien caché. Hein. Euh, monument le plus visité d'Europe quand même. Hein. Donc là, on nous confirme un patrimoine inestimable pour l'UNESCO. Donc c'est bien classé par l'UNESCO. Euh... 12 à 14 millions de visiteurs par an. Et on, Macron nous demande une souscription nat nationale pour l'aider. Euh, et euh, comme elle s'appelle Hidalgo, pioche directement 50 millions dans la caisse euh, tranquille. On se demande pendant toutes ces années qu'est-ce qu'il est advenu de, de ces 14 millions de visites. Stéphane Bern, bien entendu, ce gros manipulateur, toujours ému, euh, ne pose pas ces questions-là de pourquoi on n'a pas fait, euh, depuis tout ce temps-là, on savait bien qu'un jour ou l'autre il fallait s'occuper de, de la cathédrale, pourquoi on n'a pas un, instauré euh, une, une espèce de participation. Euh, touristique parce que vous imaginez à 14 millions de, de, de visites par an vous mettez ne serait ce que un euro par visiteur vous, vous faites le calcul c'est assez simple c'est 14 millions déjà facile alors alors ici très rapidement euh... très rapidement la liste des cathédrales de France protégées euh, donc aux monuments historiques on nous dit euh, voilà de manière générale les anciennes cathédrales y figurent et là vous avez un tableau détaillant euh, toutes les cathédrales euh, les édifices religieux euh, protégés vous voyez et alors euh, Notre-Dame de Paris, on va chercher Paris. W C D voilà, Paris. Alors, euh, Cathédrale. Notre Dame de Paris, elle est là. Voilà, elle est ici donc vous voyez pour eux euh, <laughs> elle a été euh... alors il faudrait que je vois en haut pour eux c'est 1862 qui retiennent comme date elle est je vous le confirme elle est classée regardez par exemple celle là elle est inscrite ce qui n'est pas la même chose là c'est le top c'est ici c'est classé euh, par qui et qui la détient et qui en est responsable, etc. Regardez, c'est écrit noir sur bleu, l'État. D'accord On sait même que c'est du style catholique romain. Euh, on peut, par comparaison, regarder par exemple la cathédrale américaine de Paris qui est inscrite et gérée par une société privée. Et c'est. Donc de un style euh, anglican euh, on voit ici la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris qui est elle par contre classée et gérée par une association et euh, c'est donc une, une, comment dire une, la croyance orthodoxe russe et euh, donc ainsi de suite vous pouvez euh, trouver euh, plein d'informations ici euh, dans l'Oise, ces deux cathédrales-là sont donc euh, euh, sous la responsabilité de la commune. Euh, voilà. Allez, on va avancer. Euh, ah oui, je voulais voir euh, les dates. C'était par rapport à quoi En haut de tableau. Qu'est-ce qu'ils ont mis Date. Ils ont mis date. Date peut-être de... Allez. Disant que peut-être c'est la date de classement. Euh, alors, c'est euh, comme toujours, je vous avais averti, comme toujours, euh, c'est BFM-VC, elle a euh, trop d'avance sur tout le monde. Euh, bfmvc a déjà bouclé euh, avait déjà euh, bouclé euh, une enquête sur euh, comment notre dame est, est, est assuré hein. un article très défouillé fouillé très détaillé euh, donc pour euh, arriver à la conclusion simple c'est que l'assureur de euh, notre-Dame de Paris, euh, c'est l'État, c'est nous, et donc l'État est son propre assureur, c'est génial. Euh... Donc s'il arrive quelque chose à la cathédrale, bah, c'est euh, si, même si c'était un accident, bah, c'est euh, l'État qui devra... Euh, se payer, s'auto-payer à lui-même euh, les indemnités d'assurance. Bon, l'État, c'est nous, hein, c'est nos impôts. Euh, il y avait aussi euh, une précision c'est alors les assurances euh, des responsables devraient aussi mettre à contribution, et là, effectivement, des assureurs privés devraient aussi être mis à contribution au bout du compte. L'État peut se retourner contre les responsables de l'incendie qui pourraient avoir à payer tout le préjudice. Leur assurance paiera alors les dégâts dans la limite de la responsabilité civile. Le reste, ce sera sur les fonds propres des responsables et dans la limite de leur solvabilité. Donc on n'atteindra jamais ces sommes-là avec les, la petite assurance privée de. de du sous-traitant ou des sous-traitants qui étaient donc présents pour travailler sur place. Donc euh, le, le, au final, euh, on reviendra toujours à ce que euh, cette cathédrale n'est finalement assurée par personne, parce que euh, les choses sont, sont faites ainsi, elle absorbe tellement de tourisme et tellement de répercussions pour la ville de Paris, et même au-delà, mais... Euh, mais au final, si jamais il lui arrivait quelque chose, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, c'est les Français qui, de, qui doivent payer encore les pots cassés, parce que les Français assurent un édifice qui, à, à eux directement, hein, financièrement, ne leur rapporte absolument rien, mais qui, par contre, rapporte très très gros à la, à la mairesse Hidalgo, à la mairie de Paris, à l'État dans son fonctionnement. Euh, excessif euh, di euh, dispensier euh, dépensier euh, excessif euh, ça c'est insupportable donc pour finir parce que je vous ai dit plein de fois que c'est troublant BFM ils sont toujours les premiers à avoir toutes les informations que ce soit euh, les attentats, ils arrivent déjà à donner la, 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 la comment dire, les l'identité des protagonistes avant même qu'ils soient arrêtés, etc. Eh bien, je rentre, je vous ferai pas lecture de ce, cet article. Je vais vous, juste vous inviter vivement à aller euh, en prendre connaissance. C'est un article que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, les plus éveillés. Donc, vous pouvez le trouver sur le site Les Moutons Rebelles, comme vous voyez ici. Il a disparu de plusieurs autres blogs, mais là, j'ai je, je, vu qu'il était encore euh, présent. Euh, donc, ça s'appelle J'ai tué la princesse Diana sur ordre du prince Philippe, déclare un agent du MI5 euh, sur son lit euh, de mort. Alors, là, ici, c'est le. Il faudra vérifier, mais c'est normalement le MI6, les services secrets donc euh, euh, britanniques. Euh, alors le, cet article apprend, vous apprend énormément de choses sur les orchestrations et sur les implications de tous les rédacs chefs et de tous les médias. Euh, maintenant, de sa, à savoir si, euh, comment dire, euh, si c'est sourcé, si c'est véridique, vérifiable, sûr et certain, etc., je, je ne m'aventure pas là-dedans. Je vous, je vous invite juste à en prendre connaissance, juste pour comprendre, si jamais c'était vrai, euh, le fonctionnement. Euh, euh, des orchestrations et des informations, donc déjà en possession des différents merdias avant même l'accomplissement de tel ou tel euh, événement et de tel ou tel acte. Voilà, c'est pour, pour cette raison que je vous ai demandé, je vous ai proposé d'aller en prendre connaissance. Les amis, on va. Euh, alors attendez, il y avait un élément pour être complet. Euh, pareil vous m'avez envoyé ça a circulé beaucoup donc je vais lire ce témoignage qui, euh, qui, est, qui est censé donc euh, qui est euh, à prendre au sérieux que vous avez tous partagé donc ouvrez les guillemets euh, là donc je vais lire malheureusement, je pense que ce n'est pas un accident. Je suis une ancienne étudiante de l'école du Louvre, diplômée en histoire de l'art. J'ai visité la charpente de Notre-Dame avec des architectes des bâtiments de France il y a plusieurs années. Cette charpente de bois du deuxième siècle était protégée comme jamais. Chaque intervention est toujours accompagnée par des historiens, des architectes, des experts. Aucun travaux n'est envisagé sans une prudence extrême. Pas de source de chaleur, pas de chalumeau, pas d'appareil électrique, un système d'alarme performant et une surveillance très stricte. Je pense que nous finirons par apprendre que c'est un incendie criminel. Alors c'est ce que je vous ai dit au début de ce propos et je, je veux dire, on ne peut que, que certifier la véracité d'un tel propos. Euh, allez J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de lectures. Euh, les amis, je vais juste vous saluer. Je ne vais pas faire lecture. Euh, allez, bonsoir. Euh, bonsoir et bonne nuit. Donc, allez, juste les prénoms pour aller plus vite. Euh, à Franck, ben bah tiens, Joachim, Jéronimo, Lario, j'ai lu ton commentaire. Je pense que tu l'as vu. Euh, à Franck, à Joachim, à Malek, à Simon. Euh, merci. Euh, tu m'as pris pour d'économiste. C'est vrai que je l'ai traité souvent. Salut Simon, j'ai là, euh, bienvenue. Je pense que je t'ai jamais vu. Euh, bon, il y a donc Cogito qui fait sa pub. J'espère que tu fais pas de la pub pour les jeunes constituants. J'en ai assez parlé. Je te bloquerai si c'était le cas. Euh, donc bah, bonjour Cogito. Je vais, je vais vérifier après. Euh, bonjour Francis CH euh, euh, Sandrine, pareil, je sais pas quel lien tu as envoyé, je vais vérifier après euh, tous ceux qui auront magouillé à envoyer des liens, des informations non vérifiées ou alors de, de, de la pub pour des mauvaises causes ou pour des, euh, des euh, comment dire, des, des orchestrateurs ou des. des euh, des manipulés manipulateurs euh, seront bloqués, vous le savez. Euh, bonsoir, pareil, euh, Colette. Euh, eh ben, tu es en Belgique. Eh bien, Bonsoir à tous les Belges. Je suis ravi euh, de t'avoir euh, dans mon live. Euh, Colette Dell. Tiens, bonsoir, Did Mousseline, sur euh, YouTube. Il va falloir que tu me contactes. Euh, euh, dit Muslim, sur euh, le réseau que tu préfères, sur Messenger ou alors sur VK, euh, je vais essayer de te mettre euh, modérateur sur euh, donc mon, Facebook, euh, mon YouTube de secours, vu que qu'hier on a eu euh, du trollage, je ne pourrai pas tout gérer, au moins je te donnerai un pouvoir sur mon YouTube de secours pour euh, que tu bloques les trolls, donc contacte-moi. Euh, Joël Xavier, bonsoir. Tahar, Gilet jaune. Euh, pourquoi tu dis Jérôme le dégel, l'antéchrist Tahar, je t'invite à regarder euh, ma vidéo qui lui est dédiée, d'ailleurs, qui a été bien euh, partagée. Euh, elle doit être à 8, quelque chose comme 8000 vues actuellement. Donc euh, tu la trouves assez facilement, hein. mon analyse sur l'orchestration concernant... Euh, J'ai envie de dire l'éborgnage euh, de Jérôme Rodrigue, si c'est vraiment son vrai nom. Euh, bonsoir Rafik, euh, Marie-Gabrielle, Bilbil, frérot, Cogito. Bon, bah, toi, t'es un troll parce que tu fais que répéter le même collage, tu seras bloqué. Rafik, je t'ai vu, on a répondu à Alaxa. Euh, bonsoir Jérôme. Euh, Hachini. Bonsoir Marianne France. Effectivement, tu as une bonne mémoire. Tu te souviens du changement des cloches et tu dis que la cloche Emmanuel est la plus ancienne. Bravo. Euh, bonsoir Roméo. Oui, tout le monde avait du son. Euh, pop, pop, pop. Bonsoir Milou Mitcha. Diane César. Tony Nero, bonsoir frérot. Euh, tu m'as aidé, c'est toi qui m'as donné la capture pour Google. Euh, bonsoir non provisoire. C'est gentil ce que tu as dit. Je te connaissais pas, bienvenue. Tu dis, j'aime bien ce que tu dis là. C'est clair, tu vois juste. Merci frérot et bienvenue. Euh, ensuite, alors là, je suis obligé de traverser. Alors Francis, tu étais sur VK, bonsoir. Euh... Bon. Marie Sauvage, bonsoir. Je ne vois pas pourquoi tu parles d'État islamique par rapport à cet événement. Euh... Sébastien Batista, oui, c'était Platini, merci. J'avais fini par le trouver. Merci frérot pour ton aide. Donc tu es sur VK. Bonsoir frérot. Euh, Frédéric Albert. Bonsoir. Magali Rainbow. Bonsoir. Platini. Parfaitement. Euh, Rafik, tu as raison de noter que Anelka fait partie des résistants comme Benzema. Absolument. Euh... Euh, bon. Marie sauvage, tu parles des, des mormons cette fois-ci. Je ne pourrais pas te lire. Alors. Tiens, bonsoir Eva Maria. On ne s'attaque jamais aux vraies racines du problème. Non, jamais. Euh. Alors... Tiens, bonsoir Ginette, bonsoir Francine. Alors, est-ce que c'est la même Francine belge depuis tout à l'heure En tout cas, Francine, tu, euh, tu parles de Belgique. Bienvenue. Bonsoir Sihem. Euh, donc, il y a Charles Montgomery Burns. Qui disait y a-t-il quelqu'un sur youtube euh, bonsoir ensuite euh, bonsoir lisa Tututu, bonsoir marina est-ce qu'on arrive à la fin voilà on arrive à la fin et eh bien les amis les amis euh, il est temps de s'arrêter. Ça fait un beau live. Vous êtes beaucoup à me demander d'accélérer, de raccourcir. C'est pas évident, hein? c'est pas du tout évident de faire des, des vidéos courtes, des live courts. Et même euh, il ne faut pas confondre, parce que j'ai fait des émissions spirituelles et de révélation, où j'ai pris mon temps pour chercher des mots, pour parler. Beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé cette façon de faire. Vous préférez, voilà, que je vous parle comme je vous parle là. Vous avez toujours été habitué à écouter la radio regarder la télé avec des gens qui parlent avec un débit de parole euh, extrêmement rapide. J'ai envie de vous dire, euh, rien ne sert euh, de courir, le tout est... Euh, alors là, je la modifie à ma sauce. Hein le tout est d'arriver euh, un peu en avance voilà je vous laisse méditer sur ça euh, je vous rappelle et je vous redemande de mettre votre gilet jaune demain à 13h comme tous les jours et de vous mobiliser pour euh, samedi prochain l'acte 23 bien entendu jamais chercher les confrontations mettre les gilets jaunes et aller faire les courses comme ça vous êtes vous aurez de la visibilité euh, je vous retrouve demain soir comme d'habitude. D'ailleurs ce soir parce qu'il est 1h16. Donc ce soir comme d'habitude pour un live. J'espère que j'arriverai à faire un cours, y compris pour moi-même, pour pouvoir me reposer un peu. Euh, pourquoi je fais un live tous les jours Je vous le rappelle, il en va de ma sécurité parce que je me dis que c'est déjà arrivé une fois. Que si j'avais à manquer à l'appel, vous chercherez après moi. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne nuit de ce qu'il reste de nuit. À ce soir!